Chers amis internautes, heureux de vous retrouver pour ce petit entretien. Nous sommes dans le temps du carême. Carême qui vient du latin quadragesima, qui signifie 40, parce que pour nous chrétiens, 40 jours nous séparent de la fête de Pâques, du mercredi des cendres jusqu'à la résurrection de Jésus. Et ce temps nous est donné chaque année pour vivre à la fois une préparation à la fête de Pâques, mais en même temps pour revivre à la suite du peuple hébreu qui a traversé le désert pendant 40 ans traverser le désert et entrer dans la terre promise. Pour nous aussi, on a besoin de traverser des déserts de nos doutes, de nos incertitudes, les déserts parfois de nos difficultés, de nos soucis. Et pour traverser tous ces moments difficiles et espérer atteindre la terre promise de l'espérance. Et puis pour nous chrétiens, c'est aussi traverser le désert de la souffrance, la mort, pour entrer dans l'éternité de Dieu. Je crois que le temps du carême qui nous fait entrer dans le temps de Pâques, où les chrétiens, cette année 2017, célèbrent tous ensemble, qu'ils soient de confession catholique, orthodoxe, anglicane ou protestante, c'est peut-être un signe fort qu'en célébrant tous ensemble le même jour, ce n'est pas toujours le cas, la fête de Pâques, c'est une façon aussi de vivre une unité dans cette même foi à la mort et la résurrection du Christ. Alors à ce propos, je suis en plein soleil et puis je crois que c'est la meilleure inspiration pour parler de cette fête de la résurrection. Je crois que traverser la mort pour entrer dans la lumière de la vie éternelle, c'est pour nous à la fois un acte de foi, parce que croire en cette réalité n'est pas chose évidente. Et pourtant nous avons de grands signes qui nous révèlent que après l'hiver, le printemps qui fait renaître la nature, je crois qu'après avoir passé l'hiver de tant de souffrances que nous connaissons encore actuellement, et je pense particulièrement à toutes les victimes des attentats, des famines, des guerres, des violences, des injustices, il y a tant d'hivers qui jettent un grand froid sur ce monde qui a besoin de voir les signes du printemps. Et je crois que les plus beaux signes du printemps dans l'humanité, c'est de voir des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui ne baissent pas les bras, qui ne désespèrent pas et qui sont capables de rebondir après l'épreuve et de ne pas désespérer. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui permet à quelqu'un de ne pas sombrer ni dans la folie, ni dans le désespoir, ni dans la désespérance, la fatalité. Eh bien, je crois qu'il faut être animé d'une espérance, mais pas simplement l'espérance humaine, parce qu'elle a ses limites. C'est comme l'amour humain. Pour un rien, l'amour humain est fragilisé. Et alors, à ce moment-là, la foi, ce qu'on appelle la foi, la confiance, non pas en quelque chose, mais en quelqu'un qui est Dieu lui-même, et pas n'importe quel Dieu, c'est ce Dieu de Jésus-Christ qui nous révèle que lorsqu'on est pleinement homme et qu'on vit pleinement l'espérance chrétienne, eh ben, on peut aussi vivre la plénitude en Dieu, à savoir vivre déjà de cette force de vie et d'amour que Dieu met en nous par le baptême. Il a mis en nous son amour, sa vie, et ce n'est pas rien. Au-delà des mots, croire qu'on a en nous l'amour et la vie de Dieu, c'est croire que nous avons déjà tout le potentiel d'éternité en nous. Et je crois que c'est quelque chose qu'on ne mesure pas assez, pour la simple raison, c'est que ben, lorsqu'on se limite à vivre simplement au plan humain, du type boire, manger, dormir, se contenter de ce que la vie terrestre nous offre, vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais ce qui est important, c'est aussi de déployer au cours de cette vie terrestre tout le potentiel d'amour et de vie par-delà la réalité humaine. Et alors là, ça change la donne, pour la simple raison que si je suis capable de mettre en œuvre le don de la foi, comme dit saint Paul par ailleurs, alors à ce moment-là, quelle que soit l'épreuve que je vais traverser, quel que soit le désert que j'aurai à traverser, quelle que soit la distance
ou le temps à parcourir, à l'image du peuple de Dieu qui a mis 40 ans, c'est-à-dire le temps d'une génération, de toute une vie, eh ben, je crois que je ne suis pas limité en rien, je ne suis limité en rien pour déployer les ressources que j'ai en moi. Alors, dans le mot ressource, il y a le mot source, et Jésus utilise souvent l'image de la source, et on a encore eu le parfait exemple pendant un des dimanches de carême où Jésus rencontre la Samaritaine au bord du puits de Jacob. Et cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine, c'est la rencontre entre Dieu et l'humanité. Et à l'image de la Samaritaine, nous aussi, nous avons besoin à chaque instant de nous ressourcer, de venir puiser quelque part, j'allais dire, les ressources dont nous avons besoin pour la route qui continue. Alors, quand on est assoiffé de paix, de joie, de justice, on a besoin de trouver une source qui nous désaltère par rapport à cette soif. Et la rencontre du Christ et de la Samaritaine préfigure un petit peu cette rencontre de l'Église aussi avec le Christ, qui trouve en lui, un petit peu comme ce puits de Jacob, cette source intarissable. On n'a pas fini de puiser tout ce dont nous avons besoin pour nous désaltérer, pour combler à la fois notre faim, notre soif. Et c'est d'ailleurs aussi pour cela que les chrétiens, lorsqu'ils célèbrent entre autres le sacrement du baptême et le sacrement de l'Eucharistie, donc avec le thème de l'eau et du pain, l'eau pour la soif, le pain pour la nourriture, je crois que ces deux sacrements nous révèlent combien l'être humain non seulement a besoin de se désaltérer pour vivre et de se nourrir, mais il a aussi besoin de combler ses soifs de justice, de paix, d'amour, et aussi de nourrir sa vie intérieure. L'esprit lui aussi a besoin d'être nourri. Alors le sacrement du baptême, de l'Eucharistie, qui se fonde aussi dans l'événement de la mort et de la résurrection du Christ, nous aide, nous chrétiens, à cheminer au cours de notre existence avec cette certitude que Dieu seul peut combler toutes nos faims et toutes nos soifs. Alors, c'est ce que je voudrais souhaiter à chacune, chacun d'entre vous, quelle que soit votre religion, votre foi ou votre non-foi. Je vous souhaite à toutes et à tous de trouver aujourd'hui ou un jour en Dieu cette possibilité de combler votre attente, votre soif d'existence, de bonheur. Et pour que cela soit aussi possible, je pense qu'il faut compter sur la prière des uns et des autres. Je crois qu'on estime à jamais assez la force de la prière, qui est une façon de vivre une communion d'amour les uns avec les autres. Alors, pour être en communion avec chacun d'entre vous, je m'efforcerai particulièrement durant ce temps de Pâques de vous porter chacun dans ma prière, dans cet esprit-là.